この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。On se racisme. Bon, allez. Et salut tout le monde, c'est encore nous, les aventuriers de Orzea. Et Sienna est une vraie saloperie, voilà. Elle vient de poster le message, enfin le tweet. Donc j'incrusterai l'image sur le jeu à ce moment-là. Et ben moi j'incrusterai le tweet. Boum. Et elle a dit qu'en fait j'étais le bébé chocobo noir. Donc c'est du pur racisme envers les dragons, voilà. C'est ouais. Ça, je l'ai dit, c'est fait. Excusez-moi, mais Sienna. Vous êtes un dragon noir. Justement, tu es raciste. Tu es raciste. Tu vas te prendre. Viens dans les bras de Tata Sienna. Moi, je vais ramener le curseur. Voilà. le curseur est revenu. Donc, les amis, nous étions laissés juste avant la séquence de combat. Parce que nous sommes des vrais saloperies. Et on va pouvoir commencer à faire nos quêtes. Donc, personnellement, j'ai la voix de l'occultiste. Je dois tuer des frelons. Est-ce que vous aussi, vous devez tuer des frelons? Non, moi, je dois tuer des marmottes. Bon. Moi, j'ai les frêles, hein. Bah, moi, en fait, je dois tuer des frelons et des marmottes. Bah, moi, je dois tuer des frelons, des marmottes et des musards. Oui, bah, en gros, on défonce tout ce qui se passe. Ok. Alors, on commence par quoi? Vous êtes où? Alors, en fait, Sienna, elle est partie de l'autre côté. c'est qui le tank rejoint. Ici? Bah, le tank, à ce niveau-là, je suis pas sûr qu'il en ait vraiment besoin. C'est clair. Attends, bon, allez, gros. Yala! Pouf! Eh ben, on en a un gros 3! Oh mon dieu, je dois caster mes sorts, ça va être compliqué. Parce que je ne peux pas me déplacer. Ouais. Et moi, j'ai pas l'habitude d'être au corps à corps. Non, mon cœur, fais pas ça. De quoi? J'ai fait plus. Je fais plus de la glace? Ouais, fais de la glace. Ah. Parce qu'au fait, le feu. T'enlèves toute ta manana. Mais ça fait plus de dégâts. Et ta glace régène ta mana. Ouais. On n'a pas un bestiaire normalement? Si, mais c'est un peu plus tard. Ah. En gros, là, on est en train de tuer des monstres qu'on devra retuer juste pour le bestiaire. Voilà. Ça, c'est horrible. Voilà. Système d'aléa. Donc, les amis, vous allez peut-être bientôt pouvoir voir à quoi correspondent les aléatoires. Un système vachement sympathique, je trouve. C'est vrai. Donc, moi, je bourrine la glace. Hein, de toute façon, vu qu'on est trois à défoncer les mobs. Parce que ça a changé, donc vous infligez des dégâts de glace à la cible, puissance 1. Tenir du sang frais de marmotte. On fait l'aléa ou pas du coup? Bah attends, où est-ce qu'elle est? Elle est devant toi. Juste devant nous. Est-ce qu'il y a des gens qui y participent? Oui. Donc nous allons faire l'aléa, les amis. Parce que généralement, c'est des trucs qu'on ne peut pas faire seul. C'est vrai. Enfin, c'est déconseillé. Donc l'aléa en cours, depuis que l'on a refusé la guilde, les pugilistes. Ça n'existe rien. Bon, en gros, il faut défoncer la gonzesse qui est devant. Grichy de la terreur. C'est ça. T'en veux encore? Donc là, vous allez pas voir grand-chose, parce qu'il y a tout le monde qui sont dessus pour la défoncer. Ouais. Mais en gros, vous pouvez voir que même à... on doit être 5 ou 6 dessus, là. Un peu ouais. Plus, largement. Même à 5 ou 6, c'est bah, la vie de la personne ne descend vraiment très très lentement. Ce qui prouve qu'il y a de la puissance. Faudrait peut-être penser à soigner la personne qui tankait. Ouais, mais là, il n'y a pas le... En gros, il y a de fortes chances qu'on perde beaucoup de membres du groupe avant de réussir à la tuer, quoi. C'est possible, oui. Ah bah moi, par contre, je suis en train de réaliser un truc, je vous entends hyper mal pendant les combats. Ah bon? Ouais. Ah. Dans le doute, je vais baisser également le son des combats. Excusez-moi si vous n'avez plus le son des combats après, mais je préfère privilégier... Stop de le faire tourner, putain. Je préfère privilégier la voix de mes compagnons. Ouais. Moi, je me dis, comme je vous entends déjà de base mal sur Skype, je me dis qu'alors sur la vidéo, ça doit être encore pire. Voilà, donc excusez-nous pour ce petit aparté. C'était quelque chose de très important. Vous voyez également qu'on a que 12 secondes pour... Enfin, 12 secondes, pardon. 12 minutes pour terminer cette... Cet aléa. Et si au bout de 15 minutes, nous n'avons pas réussi, parce que c'est 15 minutes le vrai temps, hein, si au bout de 15 minutes, nous n'avons pas réussi à tuer le monstre ou à terminer l'aléa en fonction de ce que c'est un échec. Voilà. Ouais. C'est ça. À savoir que faire les aléas nous rapporte des points, d'XP, de l'argent et d'autres trucs qui me semblent plus tard. Enfin, voilà. Donc c'est très très sympa et puis c'est toujours une bonne méthode pour jouer avec des gens. C'est bien sympathique, effectivement. C'est ça. En fait, je vous avoue que j'alterne à chaque fois un sort de glace, un sort de feu, parce qu'au final, pour que ça change. Mais il faut arrêter de courir, petit personnage. Bon, ça va, on peut pas te taper. Tant que nous, on meurt pas. C'est ça. Voilà, nous avons réussi l'aléa. Défi, quelque chose à prouver.
Poum. Voilà, donc nous avons eu 343 d'XP, enfin personnellement. Et j'ai pas eu le temps de voir l'argent qui me restait, bon ce n'est pas grave. Enfin vous avez compris le topo, la meilleure méthode étant de participer à tous les combats aléas si possible. Exactement. Donc il nous restait, personnellement tes musaraignes à défoncer. Pareil, et éliminer des coccinelles. Effectivement, il y a aussi des coccinelles à défoncer. Bah nous avons trouvé des musaraignes. Bon bah j'arrive après la baston, donc je vais aller attaquer les autres, c'est pas grave. Bah ouais. Des musaraignes encore par là. Donc effectivement, on a gros 3 monstres quand nous sommes 3, bon. Mm. Bon par contre, tu prends l'aggro, parce que moi je suis en papier. Tu es en papier. Je suis en papier, même si officiellement, quand tu regardes mon armure, j'ai pas l'air d'être en papier, hein, bon. Donc je vais bien lire mes sorts, attendez. Si vous êtes sous l'effet feu astral, l'effet disparaît, sinon... Inflige pesanteur 40%, durée 20 secondes et j'ai level up. Pareil. Pied léger. What the fuck? Votre esquive. Vous infligez des dégâts de magie. Ok. C'est un sort pour esquiver. D'accord, donc en fait la glace me coûte moins cher en magie. Transposition, vous remplacez feu astral par le premier degré de glace ombrale. Oula, je sens que j'ai encore joué. Je sens que j'ai joué un truc chiant à jouer. Non, en fait c'est tu. Enfin, t'attaques en feu au début. Quand t'as plus de mana, tu fais le 3 et t'attaques après avec la glace. C'est bien ce que je dis, j'ai encore trouvé un truc chiant à jouer. Ah, il y a une aléa juste en face. Et on y retourne. Et en plus, ils sont en plein combat. Ils sont à 0%. Bon, ça vient juste de commencer. Quoi. Ouais. Alors, l'aléa, c'est de tuer des jeunes tritons niveau 3. J'adore l'interruption alors que je suis en train de taper. Enfin, je suis en train de caster. Voilà, donc vous avez vu l'onde de choc là. Si j'étais resté dedans, je me serais pris l'attaque. Chose qui n'est pas bien. Aïe. Alors par contre, ça me le comptait pas parce que j'étais pas encore dans la zone de l'aléa. Et donc il faut qu'on défonce les jeunes tritons quoi. C'est ça. Bon, ça devrait aller. Waouh, j'avais pas vu, mais c'est moi qui prenais cher. Moi, j'ai bientôt crevé aussi si ça continue. J'ai 11 points de vie donc. Alors je propose une retraite tactique. Ça y est, je suis mort. Je propose une retraite tactique. Voilà. J'avais pas vu qu'il me restait. Attends, il me faut des popos. Popo. Non, mais bah, tant pis. On va se contenter de faire des quêtes, puisque les aléas pour l'instant c'est sympa, mais c'est pas notre objectif. Nous allons attendre d'être rejoints par Tutu. Ouais, bah alors là on est pas. Quoique non, parce qu'en fait nous avons tué les monstres, donc il ne reste plus qu'à aller rendre la quête. Ouais. Donc par on contre, se rejoint dans Ulda, Tutu. Ah, si tu veux. Ouais, c'est ça. Faudrait qu'on revienne à Hop. J'ai perdu Sienna. Je vais peut-être l'attendre. Tac. Et mes popos, c'est à côté. Et je vous avoue que je commence à avoir du mal parce que on crève de chaud. Bah. Mais c'est vraiment horrible. À ce point-là? Ah, bah en fait, je vais essayer de regarder la température qui fait actuellement chez moi. En même temps, j'ai envie de dire que la fenêtre du salon n'est pas... Oui, en même temps, en fait, il faut savoir que le PC de Tutu chauffe énormément la pièce. Ouais, il doit être comme mon PC portable, quoi. À peu près, ouais, donc c'est vraiment pas agréable. Alors, apparemment, chez moi, enfin, dehors, il fait 25 degrés, donc je dois être aux alentours de 27 chez moi. Mm-hmm. Ah, d'accord. Donc, je vous avoue que c'est pas très très agréable. Donc, je pense qu'une fois qu'on aura fini cet épisode-là, on fera une pause parce que moi, j'en peux plus. Ouais. Puis j'ai l'impression qu'il y a ma voix qui commence à partir en couille et ça, j'aime pas. Ah. Bah, moi, je l'entends, mais. Je ne sais pas. J'ai deux quêtes à prendre ici. Attends, parce que. En fait, Tutu, elle est à la zone là où on rend la quête. Ce que... Bah, ouais, je suis. En fait, quand on reste. Toi, t'es là. On a les territes. Bah, rejoins-nous là. Bah, j'ai une quête juste devant notre. Ouais, mais on a deux quêtes à rendre ici. Donc rejoins-nous plutôt, pour prendre les quêtes et on ira rendre la quête après. Ou rends-la avant, mais enfin, fais comme tu veux. Oui, au pire. Par contre, j'ai une troisième quête là ou... Ouais, troisième quête. Hop, de la tenacière. Les quêtes. Oh non, je viens de voir les robes. Contrôle I, est-ce qu'on a récupéré du stuff? Non. Je suis déceptitude. Ça m'arrange, tant qu'on récupère de stuff, c'est qu'on reste classe. C'est vrai. En fait, tu commences avec un stuff class et ensuite on te pourrit la vie. C'est vrai. Non, le pire, c'est quand tu joues Maraudeur à l'Insanominsa, ton stuff,
et rose. Bah, ça va encore parce que quand c'est rose, bah tu peux teindre. Il y a des teintures, donc ça va à la limite. C'est pas la couleur le plus inquiétant. Bah, Sienna, en fait, toi en tant que pugiliste, tu vas ressembler à un schtroumpf après. Oh merde. Non, c'était pas un schtroumpf, c'était un chocobo plutôt. Tu vas être jaune. Oui, comme l'archer. L'archer, tu avais le. Non, l'archer, pas l'archer. Je crois que c'était l'occultiste que j'avais sur mon ancien perso. Je sais plus. Je ne sais pas. Mais bref, mon perso ressemblait à des trucs dégueulasses en jaune. Donc on attend Tutu, parce qu'elle n'est pas encore là. Ouais. Bah du coup, on montre peut-être comment marchent les virtualisations. Ouah, niveau utilité, je sais pas si c'est utile. C'est pour montrer, je sais pas. Bah surtout que Tutu arrive en fait. Oh. Et ouais, il n'y a pas de chemin plus près en fait. Si on se téléporte, on va perdre du temps. Ouais, place de l'éthérite, ouais. Ouais, bon, ok. Quoique, je sais pas. En fait, j'en sais rien. On aurait pu, mais... Tutu, elle a récupéré les quêtes qui sont ici ? Ouais, j'ai récupéré les trois. Ah ouais, okay. C'est bon, on les a récupérées. On va les rendre cuir pour dur à cuire. Sympa le jeu de mots. Et ensuite... j'ai deux quêtes à rendre dans la guilde des occultistes, personnellement. Vous avez peut-être des quêtes de dans vos zones de classe à rendre. Alors. Aussi, oh, j'adore le gros chocobo grassouillé, putain. Oui, bah le gros chocobo, il faut un collector. Non, c'est une mascotte là. Ah. Oui. Il coûte cher à l'HV. Donné. Ah. Alors, combattant, toutes les classes, je vais prendre ça là. Truc d'intelligence. Le pugiliste, il utilise de la magie, non ? Non. C'est bien parce qu'en fait, on nous donne des nouvelles bottes, mais on n'a pas le niveau. Ce sera pour plus tard. Non, le pugiliste, c'est que des du bourrinage, il me semble. Ok, je vais récupérer ma quête à l'intérieur. Attends, on attend Sienna. Hop là. Allez. On ira faire un tour au Gold Saucer aussi au niveau 15. Ouais. Yep. Il y a maintenant quelqu'un qui s'appelle Kirita Kazuto. Non, mais cherche pas à regarder les pseudos des gens. Ils improvisent, ils font comme ils veulent. Bestiaire obtenu. GG. Y'a pas. Où êtes-vous ? Y'a une quête là ? Si, y'a un truc à faire juste là. Ah, ok, vous êtes loin, je me disais. Si tu tues, elle t'attend pas, elle est méchante. J'avais vu une quête. Toujours de la faute à Tutu. Comme d'habitude. Toujours oui, de la faute à Tutu. Oui, je cherche des excuses. Je cherche des excuses. Ah, bah, je suis en minorité ici, donc vaut mieux que je me cherche des excuses. Sinon, minorité. Je vais me faire défoncer. Dans non, ça, on n'a pas le droit. Où est-ce que j'ai d'autres quêtes à rendre ? Moi, j'ai deux quêtes à rendre ici. Je traînasse. Allez, ouvre la porte. Ah ouais ? Ah bah, j'ai pas harmonisé tout à l'heure. Bah, oui. Ah bah, c'est sérieux, ça. Ah, je sais pas. Mais on est déjà venu tout à l'heure, parce que c'est ma guilde. Oh, ouais, je vais le faire parce que. Si Anna n'a pas harmonisé. Harmonisé. Coucou maître de guilde. Attends, moi, donne-moi des sous. Yeah, j'ai. Je... Papa Chan. Bah, j'ai eu mon bestiaire. Là, faut que je parle à Papa Chan. Moi, je l'appelle Papa Chan. Papa Chian. Oh. Un petit peu quand même. Ah. Et toi, Tutu, il faut aller où pour toi ? Moi, je crois que toutes mes quêtes sont à Tanala. Ah, elle est partie toute seule avec son chargement. Voilà. Moi, j'en ai à Occidental et Central. De Central, plutôt, et... Carte. Okidoki. Alors, Tutu n'a toujours pas fini son chargement, hein, pour ceux que ça intéresserait. Ça y est. À savoir qu'après, il faudra qu'elle se retape le chargement pour nous rejoindre. C'est chiant. Ah bah en même temps, je t'ai dit de baisser les graphismes du jeu, mais tu veux pas. Non, mais mon cœur. Tout est en bas. Non. C'est pas ça. C'est les pré-configurations qui sont modifiées. T'as pas modifié manuellement après. Bah si. C'est ce que j'ai fait hier, mon cœur.
Non, hier, t'as fait aussi des trucs manuels, enfin préconfigurés. Bah après, j'ai retout fait quand t'étais partie aux toilettes. Et bah, c'est que t'as du mal le faire. Et j'ai mis tous les trucs en bas. C'est parce que je dis que t'as du mal le faire. Parce que moi, à l'époque, le jeu, il tournait très bien sur mon PC. Oh, pouf, tutu. Oui, bah... Non, ça fait... Bah oui, bah oui, c'est parce que t'as mal fait, c'est bien ce que je dis. Du coup, vous préférez aller où ? Occidental ou oh, central ? Ah, ça va. Hein. Plus près, occidental. Merci, ça me casse. Hein. Dame. Mais attends, il y en a une dame qui est encore en chargement. Enfin, remarque, nous, on peut déjà y aller, parce que... Hop, voilà, oh, moi, je me casse. Violence. Oh. Hein toujours, Siana, elle arrive. Avec les chargements, on attend du foot 3 zones d'avance. Ah oui, parlez à Papa Chan. Je croyais que tu disais une connerie. Ouais, c'est la même chose, t'es gratuite. Ouais, c'est clair. Papa Chan. Ah non, j'étais sérieux. Il faut défoncer des coccinelles pour le... Oui, bah quoi, vous on a des frelons, des marmottes, des cactus. Alors déjà, on dit s'il vous plaît quand on est poli. Hein. Excuse-toi. Ah non, je parle dans le bestiaire, moi. Bah, moi j'ai que des coccinelles. Moi j'ai frelon géant, marmotte, cactuar, musaraigne agressif. Ah bah, moi je sais pas, parce qu'on a pas forcément les mêmes trucs. Enfin, tous ensemble. Etc, etc. Bon, en gros, on va défoncer la coccinelle. Je vais laisser Tutu prendre l'agro, parce que j'en ai marre de me faire défoncer. Et les tics. Parlez à Papa Chan. Alors. J'avais pas une lune le nom en fait. Ah non, mais moi je plaisantais pas, hein, j'étais sérieux pour Papa Chan. Marmotte. C'est pas grave, je t'en veux pas. Ce sont des choses qui arrivent. Moi il me manque plus qu'une coccinelle. Mais ouais. Ouais, moi j'en ai 4. Alors. Bah, moi les 3 coccinelles ont été validées. T'en as 4 à tuer toi ? Ah oui, bah. C'est bizarre parce que en fait, hier j'avais ma classe me demander de. Non, mais ça c'est pour la quête, les 4. Moi je parlais du bestiaire. Parce que moi j'ai des coccinelles à tuer dans mon bestiaire. 4. Donc il m'en manque une. Parce que pour tes marmottes, il faut que t'en tues 3 ou 4. Ouais. Voilà. Donc les bestiaires ont été augmentés parce qu'avant c'était 3. D'ailleurs, en parlant du bestiaire, je peux pas le. Il y en a, c'est 3, il y en a, c'est 4. Non, je peux pas le baisser, genre. Ouais, le rétrécir pour le mettre dans le coin. Des. On a défoncé des marmottes. C'est trop facile, voyons. Voilà, c'est moi. Alors, donc on a défoncé des coccinelles. J'ai des cactuars à défoncer personnellement pour pour mon bestiaire. Mais je sais qu'il y a une quête où il s'agit de tuer des cactuars, donc peut-être attendre d'avoir la quête. Pire, ils sont à côté. Il y a l'âme de cuivre. Oh, j'aime bien. Oui, et puis au pire, on leur marave la gueule juste pour le plaisir. Mm. Moi, ça me dérange pas, j'aime bien. Je la popote. Alors, Oswell, on nous donne une boîte, mange la boîte. Une boîte de pâté pour chat. Oula, oh non parce que moi. Je crois que j'ai du rose. Ah, ça va, j'ai une robe blanche. Ah, contrôle maintenant, moi, j'ai le niveau. Contrôle I, on va rigoler. J'ai pas le niveau. Équipé. Équipé. Je me suis fait niquer d'un mob. Ouais, grave. Attendez, ça va, moi, au final, ma robe. Par contre, faudrait que je pense après à enlever mon... Ah, une présence hostile. Ma tête. Parce que le cache-œil, ça va pour le moment, mais après... Voilà. J'ai. Ouais. J'ai level up, je vais pouvoir mettre ma nouvelle robe. Génial. Vous sentez la motivation d'un homme? Je reparle avec Cogneur. Mais... Oui. Bah oui, parce que vous ne l'aviez pas encore pris, mais bon. De toute façon, quand tu vois la facilité à défoncer la coccinelle. Alors, contrôle I. Donc, je mets mon nouveau chapeau. Qui ne se voit pas. Je mets ma nouvelle robe. Oh. Elle se voit. Mec, il est comme ça, il a un bouclier. Excusez, hein. Ah, j'ai un bouclier. Je sais pas, t'es où? Moi, je reviens pas du bouclier. Ah.
C'est une planche. Enfin, t'as vu la gueule de mon bouclier? Bah, à côté de tutu. Attends, je vais faire popper mon chapeau. On dirait les petits. Ouais, c'était les. Je crois que c'est les petits sans cœur qu'on peut avoir dans Kingdom Hearts, qui certains ont des chapeaux comme ça. Assez chelou. Obtenir de l'eau de cactus. Peut-être. Donc effectivement, on doit bien obtenir de l'eau de cactuar. Enfin, personnellement. Ouais, tutu aussi, donc je suppose que s'il y en a aussi. Voilà, donc j'avais raison, il faut défoncer des cactus. Dans la vie. Allez tutu, prends l'agro. Faut que j'arrête, moi. Que ? J'aime bien le que. Tant que j'agro pas la grosse sortie à côté de lui. Oh, tu peux aller avec niveau 12. Tortuga. Ah, la dernière fois que je l'ai agro, je me suis fait défoncer. Eh, j'ai misclic, j'ai aggro la tortue. Non. Non. Mais par contre, je vous propose de vous éloigner, parce que là, on risquerait vraiment de l'aggro. Moi, ça me dérange pas, je fais ma fiotte. Je reste caché au fond. Moi, j'ai pas le choix que d'être au corps à corps. Bah, moi, généralement, je suis au corps à corps, mais bon. Faut bien changer un petit peu, puis Julie, j'en avais déjà fait un. Obtenir de l'eau de cactus. Il t'a pris porter l'eau le à Binta. Par contre, j'ai une quête à prendre en haut, je sais pas vous. Où ça? Tu remontes. À la coupe? Ah bah allons-y, de toute façon, on est déjà à 22 minutes d'épisode. Déjà? Eh oui, déjà, le temps passe vite quand on s'amuse, hein, les enfants. Le temps passe vite quand on s'amuse. La coupe est pleine, j'arrête tout. Cette vanne était à chier. On va pas visiter les zones maison, là? Bonne question. Non, je veux pas examiner Sienna. Le quartier résidentiel, parler à Momorai. Danse. Allez à la coupe. Ah, c'est les quartiers résidentiels, je crois. On y va ou on y va pas? C'était ça. C'est ça. Bah, baptisé. On peut y aller pour montrer quand même. Alors. Il faut pas aller aux soldats immortels pour y aller, non? Ou passer la grille? Non, faut passer la... Ah oui, voilà. Donc, spécifier un secteur. On va se donner rendez-vous dans le même secteur, tant qu'à faire. Secteur 13, ça vous va? Secteur 13? Si on peut y aller. Ah, si. Enfin, secteur 1, le numéro 13. Non, je crois qu'il faut prendre des verres, non? Ouais, Sion. Et tu fais déplacement. Ah. Comment tu peux. Déplacement à gauche. Tu sais, le gros bouton qui est en bas. Ah oui, c'est vrai. Tété. Voilà, vous allez pouvoir ce qu'une guilde peut obtenir quand ils ont beaucoup de. C'est-à-dire pas nous. Ah, absolument pas, non? Non, ah, par contre, on a une magnifique cinématique que je vais laisser. Ah, attends, tu as l'air un chargement. Sienna, il y a des éthérites. Ah non, on peut s'harmoniser. Déception. On est déjà harmonisé en fait. Donc je vais essayer de vous montrer l'intérieur d'une maison. Donc à faire. Voilà, on a parlé aux soldats immortels. On a parlé aux soldats Ryan. On peut vraiment pas s'harmoniser. Son chargement, ça y est. Non, non, en fait, elles sont déjà harmonisées. Ça nous permet de nous téléporter directement dans la ville. D'ailleurs, si tu veux, on peut le faire. Hein. Alors, j'attends que Tutu soit là pour qu'elle parle au monsieur. Enfin, une fois que le monsieur aura popé. Et que Tutu peut dépasser son passe. Et on va aller au plein cœur, je pense. Enfin, allez-y, parce que si moi j'ai un chargement... Il y a un chargement, donc tu vas venir à pied, en fait. Non, je viens pas du tout. Reste là où je suis. Bon, elle m'échante. Tutu ne veut pas venir avec nous, parce qu'il y a un chargement. Voilà, ouais, moi j'y suis. Donc t'es venu au plein cœur. Alors. Je sais pas. T'es où? Oui. T'es sûr que t'es venu au plein cœur? Oui, je suis au plein cœur, je crois. On a perdu, c'est nous. Il y a deux plein cœurs, en fait. En fait, je viens de te voir couper. T'étais pas encore là pour moi. Bon. Ne cherchons pas à comprendre, c'est de la logique. Alors, suis-moi. Oui, mais non, je vais en montrer une. Voilà, celle-là, elle est bien. Voilà, donc vous voyez, on échange de beaucoup d'argent. Beaucoup, beaucoup. Beaucoup d'argent.
On parlera un sapin de Noël. On peut avoir une magnifique maison qu'on ne peut pas rentrer apparemment. Il nous faudrait une maison avec un truc c'est... bleu. Ouais, c'est bleu. Bah, tu vois la 6. Ouais, c'est ce que je comptais faire, t'inquiète pas. Hop. Donc, personnellement, c'est mon objectif principal du jeu, hormis le fait de monter au niveau maximum. Ce serait d'avoir une maison, quelque part ici. J'essaie juste de trouver l'accès. Ce serait pas mal. Enfin, peut-être pas forcément dans ce secteur-là, mais avoir une maison comme ça, de guilde. Parce que c'est magnifique, quoi. Mais comme tu viens de le dire, il faut vraiment beaucoup, beaucoup de sous. Voilà, je suis passé au-dessus. Bah, je sais pas, voilà, donc vous voyez, donc si on peut rentrer. Sienna, tu es là. Voilà, on va rentrer dans la maison. Rentrer dans la maison, ah, oui. Bon, on va pas trop s'attarder. Si les propriétaires de cette maison-là nous regardent, on fait qu'une petite visite. Et il me semble que quand tu achètes la maison, elle est vide et c'est à toi de la meubler comme tu le veux. Il y a une peluche chocobo. Tu vois, c'est... Et moi, c'est typiquement ce qui me manquait dans les autres MMO, c'était vraiment des maisons... Il y a un jacuzzi. Putain, il y a un jacuzzi. Eh bien, on termine cet épisode, les meufs. Attends, je termine la visite classe. De la maison quand même. Parce que je trouve ça très intéressant. Mais voilà, c'est magnifique. C'est mais le problème, c'est que, bah... T'as vu la tête du... Enfin, le truc, c'est... Ça coûte vraiment, vraiment très, 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 très cher. Non, mais même si je pouvais avoir ne serait-ce qu'une toute petite maison, moi, ça m'irait. Mais, J'aime beaucoup le canapé. On va ressortir et puis je vais aller montrer le prix en vidéo. Moi j'aime beaucoup la maison de toute seule en fait, même la maison. Donc je sais pas comment ça fonctionne. Attends, accès vers les autres pièces. Aller dans l'atelier de la compagnie. Putain, il y a plein de pièces. Ah, vous êtes carrément dans une maison de compagnie en plus. On est dans une maison de compagnie, en gros une maison de guilde. Ouais. En gros, on pourrait très bien avoir un petit problème. Je sais pas si on a le droit légalement d'être dedans. C'est super classe. C'est spécial. La grosse bouboule. Moi je ressors, ça me stresse. Par contre, je vais aller visiter la chambre. Ah oui. Voilà, donc là, les amis, c'est du bonus, hein. Carrément, vous pouvez couper l'épisode là, parce que ça va plus se passer grand-chose d'intéressant. Spécifier la chambre où elle est. Mais, Ah, tu vas carrément dans les chambres des gens. Je vais aller dans la chambre numéro 10. Vous êtes dans une compagnie libre allemande. Une compagnie libre allemand. Je vais aller dans une compagnie où il y a quelqu'un qui n'est pas connecté. Oui, parce que Willkommen, ça veut dire bien. Je vais aller dans la numéro 7, la personne n'est pas connectée. Freud Willkommen, c'est... Oui, mais on s'en fout, c'est de l'allemand. Enfin, voilà, après, t'as une petite chambre. Bon, la chambre elle-même, celle-là est pas terrible. Oui, ouais, c'est une chambre, quoi. Mais ça reste cool. Avec un bureau de ministre. Voilà, donc, je vais sortir et je vais aller montrer le prix d'une maison de ce type-là. Je vais me barrer avant que les propriétaires de la guilde reviennent. Oui. Après, s'ils ont laissé l'accès, je suppose que c'est qu'on a le droit de visiter. C'est juste pour se la péter, en fait. Bah, bien sûr. Pour voir le prix, c'était où? Il me semble que c'était là, officier du logement. Officier du logement. Faut juste retrouver le chemin, maintenant. Bah, je crois que si tu utilises une éthérite, tu peux te téléporter. Oui, mais il faut déjà trouver une éthérite pour se téléporter. Bah, une éthérite de vente. Tu en as marre. Ah. Attends, il y a un panneau d'informations. Non, c'est pas ça. L'éthérite, je croyais que j'avais lu servant kebab. Servant kebab. Je crois que tu as faim. Éthérite miniature. Et. Ouais, bon. En fait, de toute façon, vu que c'est au bout de la rue, moi je vais marcher. Ou c'est les panneaux d'information, je sais plus. Dans le doute, je marche. Je vais regarder ce panneau d'information là alors. Non, c'est les panneaux d'information des gens. Pas de la maison. Bah, je vous avoue que j'ai encore du mal avec ces zones. Azala Asia. Mais ça reste vachement sympathique. Donc l'officier du logement, il est là-bas. Je suppose que là, on va voir les prix des maisons. Eh ben, tu dis ça, mais t'es derrière. Échanger des crédits, récupérer, s'informer sur le logement. Comment acheter un terrain? Quel type de terrain sont disponibles? Comment acheter un terrain? Les conditions requises pour acheter un terrain diffèrent selon... Bon, il faut déjà être niveau 50. Voilà, en gros le niveau maximum. Et pour le prix, il faut se rendre sur un terrain apparemment. Bon, la dernière fois que j'avais regardé les prix, c'était combien? Plus de 100 millions? Oh oui. Non. Ah, Sienna l'a trouvé? Oui. Non, je te l'avais dit alors. Ah, bon, en gros, c'est vraiment très,
très cher. Voilà. Bon, on espère que cette petite visite de la zone résidentielle vous aura plu. Bah, mon curseur m'indique qu'il faudrait que j'aille par là. Le lever de soleil, je sais pas trop. Sauf que moi, il est de l'autre côté, le curseur, donc... Ah, il m'indique toi. Il me montre une maison. D'accord, bon. Voilà, donc, on vous donne rendez-vous dans le prochain épisode. Allez, ciao tout le monde.